là quelque part.
vous qui le portez. Zone de l'ennemi emploie des tactiques de furtivité. Personne maintenant. Pas mal de gens ici qui pourraient avoir besoin d'aide.
constatez ceci, c'est que vous êtes à l'intérieur de mes banques mémorielles. Respirez un bon coup, il y a beaucoup d'informations à intégrer. L'architecture que vous voyez correspond à une série de données, mes données. Lorsque je suis branché à la chaise, voici ce que je vois. Vous utilisez une version plus ancienne de cette technologie. Il ne s'agit pas d'une interface neuronale, mais d'un scan cérébral. Regardez autour de vous. Est-ce que vous voyez la colonne jaune au loin? C'est ici qu'est stockée la mémoire à long terme, votre objectif. Mais vous ne pouvez pas récupérer les données par vous-même. Sur cette holobande, vous trouverez un programme qu'on appelle indexeur. Il s'agit des lutins verts qui fourmillent un peu partout autour de vous. Est-ce que vous les voyez? Les indexeurs n'ont qu'un rôle, accéder aux données de la colonne jaune et les ramener au point d'accès mémoriel. Votre mission est de les aider à faire le trajet en toute sécurité. Dès qu'ils auront récupéré toutes les données, le programme les traduira en un message compréhensible. Si vous devez quitter la simulation, ne vous inquiétez pas. Rien ne sera réinitialisé, vous pourrez reprendre là où vous en étiez. Bien, vous avez traversé un trou. Maintenant, vous allez devoir faire attention au système de sécurité. Les pare-feux rouges vous bloquent et empêchent les indexeurs d'atteindre les données. Est-ce que vous voyez le rayon de lumière verte? C'est un décodeur capable de détruire les pare-feux. Il suffit de l'orienter vers leur point faible. Bien, vous avez traversé un trou. Maintenant, vous allez devoir faire attention au système de sécurité. Les pare-feux rouges vous bloquent et empêchent les indexeurs d'atteindre les données. Est-ce que vous voyez le rayon de lumière verte? C'est un décodeur capable de détruire les pare-feux. Il suffit de l'orienter vers leur point faible. Bien, vous avez traversé un trou. Maintenant, vous allez devoir faire attention au système de sécurité. Les pare-feux rouges vous bloquent et empêchent les indexeurs d'atteindre les données. Est-ce que vous voyez le rayon de lumière verte? C'est un décodeur capable de détruire les pare-feux. Il suffit de l'orienter vers leur point faible. Bien, vous avez traversé un trou. Maintenant, vous allez devoir faire attention au système de sécurité. Les pare-feux rouges vous bloquent et empêchent les indexeurs d'atteindre les données. Est-ce que vous voyez le rayon de lumière verte? C'est un décodeur capable de détruire les pare-feux. Il suffit de l'orienter vers leur point faible.
Bien, vous avez traversé un trou. Maintenant, vous allez devoir faire attention au système de sécurité. Les pare-feux rouges vous bloquent et empêchent les indexeurs d'atteindre les données. Est-ce que vous voyez le rayon de lumière verte? C'est un décodeur capable de détruire les pare-feux. Il suffit de l'orienter vers leur point faible. Vous avez traversé un trou. Maintenant, vous allez devoir faire attention au système de sécurité. Les pare-feux rouges vous bloquent et empêchent les indexeurs d'atteindre les données. Est-ce que vous voyez le rayon de lumière verte? C'est un décodeur capable de détruire les pare-feux. Il suffit de l'orienter vers leur point faible. Il ne vous reste plus qu'à utiliser les blocs de données afin de créer un chemin pour vos indexeurs. Le système a détecté votre présence. Les choses vont se compliquer. Vous devrez déployer des éléments défensifs pour combattre les contre-mesures actives du système. Les sentinelles feront tout pour empêcher vos indexeurs de revenir au point d'accès avec les données. De données récupérées. Il en reste encore un. Programme intrusif détecté. Lancement du protocole de suppression de l'indexeur non autorisé par la Sentinelle. Détecté. Lancement de la mise en quarantaine du programme intrusif. Vérification du fichier mémoire, 100%. Nous avons terminé. Nous avons maintenant un point d'accès vers le souvenir suivant. Entrez dans le flux de données où ce souvenir était enregistré. Numéro de fichier mémoriel, 0V-9AX0. Conversion en transcription audio. Début de la lecture. Ça va mal à Far Harbor. Plusieurs démis ont été agressés ou interrogés sans raison. Les choses sont en train de dégénérer, mais on peut encore obtenir leur confiance. Il suffirait que l'un d'entre eux nous soutienne. Je ne peux pas dire aux autres ce que je prépare. Je dois installer l'équipement le plus loin possible d'Acadia. En plus, ça me permettra de cacher les preuves. Localisation géographique ajoutée. Complexe médical improvisé sous l'usine Vimpop. Coordonnées téléchargées.
programme intrusif détecté par une sentinelle. Programme intrusif détecté par une sentinelle. Intrusion détectée. Lancement des contre-mesures. Indexeur intrusif détecté. Lancement de la mise en quarantaine du programme intrusif. Programme intrusif détecté par une sentinelle. Lancement de la suppression de l'indexeur intrusif par la sentinelle. Programme intrusif détecté. Lancement de la suppression de l'indexeur intrusif par la sentinelle. Indexeur intrusif par la sentinelle.
compromission des données détectées. Lancement des mesures anti-intrusion. Lancement de la suppression de l'indexeur intrusif par la sentinelle. Programme intrusif détecté. Lancement de la suppression de l'indexeur intrusif par la sentinelle. Récupération de la mémoire à 100%. Vérification positive. Vous pouvez maintenant utiliser le flux de données comme point d'accès vers le souvenir suivant. Numéro de fichier mémoriel 0J-2NN8. Conversion en transcription audio. Début de la lecture. Je transfère ce souvenir. Je ne supporte plus de mentir au confesseur Martin et à ses enfants de l'atome. Je préfère oublier. J'ai trouvé. Je sais où se trouve la clé de lancement du missile nucléaire dans le sous-marin. Le confesseur Martin pense qu'elle pourrait leur permettre d'amener la fragmentation, la destruction par le feu atomique. Je ne sais pas s'il saisit toute la portée concrète de ses préceptes. Je ne peux pas prendre le risque qu'il trouve cette clé. Ses enfants et lui ont été les premiers à m'accepter comme je suis. L'idée de les voir disparaître me fait beaucoup de peine. Données supplémentaires ajoutées. Lieu, abri sécurisé du Grand Hôtel de Far Harbor. Combinaison 485130.
Lancement de la mise en quarantaine du programme intrusif.
indexeur intrusif détecté. Alerte. Compromission des données détectées. Lancement des contre-mesures anti-intrusion. Programme intrusif détecté par une sentinelle. Programme intrusif détecté. Lancement de la mise en quarantaine du programme intrusif. Un autre bloc de données est récupéré. Il en reste encore un. Programme intrusif détecté par une sentinelle. Programme intrusif détecté par une sentinelle. Indexeur non autorisé supprimé. Programme intrusif détecté. Mémoire entièrement récupérée. Le flux de données peut maintenant servir à accéder aux souvenirs suivants. Numéro de fichier mémoriel 0H-3X0P. Conversion en... Début de la lecture. J'ai préparé un plan d'urgence au cas où Far Harbor découvrirait la vérité ou s'abandonnerait totalement à sa xénophobie, malgré tous mes efforts. J'ai isolé la turbine qui alimente les condenseurs de brouillard de la ville. Il suffira d'une simple commande d'arrêt d'urgence pour les laisser à la merci du brouillard et de ses créatures. Mais serais-je vraiment capable de faire une telle chose? Ce massacre que j'ai froidement orchestré. Je vais supprimer le code de commande de ma mémoire. Je vais en faire une copie et la cacher quelque part au cas où. Je ne peux pas la garder avec moi. Cette seule pensée me rend malade.
Localisation géographique ajoutée. Coordonnées du code d'arrêt d'urgence et du bâtiment de maintenance du parc éolien.
Alerte de sécurité. Intrusion détectée dans le stockage à long terme. Indexeur intrusif détecté. Programme intrusif détecté par une sentinelle. Données récupérées à 60%. Lancement du protocole de suppression de l'indexeur non autorisé par la sentinelle. Un autre bloc de données récupéré. Il en reste encore un. Récupération à 100% vérifiée. Beau travail. Utilisez à nouveau le flux de données pour accéder au prochain souvenir. Numéro de fichier mémoriel 0Z-7A4K. Conversion en transcription audio. Début de la lecture. Vous approchez pas de moi. Vous êtes quoi, bordel? C'est moi. Nous avons vu l'Institut ensemble. Tu es mon frère. Je n'ai pas de frère. Je suis Nick Valentine. Et j'ai jamais eu de monstre en plastique dans ma famille. Merci bien. Tu es un peu sonné. Laisse-moi t'aider. Ne vous approchez pas de moi! Je ne veux pas te faire de mal.
Indexeur intrusif détecté. Programme intrusif détecté par une sentinelle. Lancement du protocole de suppression de l'indexeur non autorisé par la sentinelle. Alerte de sécurité. Compromission des données détectées. Lancement des contre-mesures. Premier bloc de données récupéré. Bien, continuez comme ça. Programme intrusif détecté par une sentinelle. Mémoire complète récupérée. Vous pouvez sortir de la simulation à tout moment. Numéro de fichier mémoriel 0Y-8K7D. Conversion en transcription audio. Début de la lecture. J'ai trouvé une entrée singulière dans les banques de données d'avant-guerre de la base de sous-marins. Les soldats postés ici étaient équipés d'un modèle d'armure assistée très sophistiqué. J'en ai trouvé quelques-unes dans des états de détérioration variable. Mais la base en avait commandé une flambant neuve le jour de la chute des bombes. Elle pourrait être en parfait état si le conteneur scellé a tenu le coup. Je n'en ai aucune utilité pour le moment, mais ça pourrait changer un jour. Sait-on jamais. Données ajoutées. Informations suivies livraison d'armure. Coordonnées téléchargées. Mémoire complète récupérée. Arrêt de la simulation dans 3, 2, 1. La gloire d'Atome s'étendra.